Bonjour, je m'appelle Agathe Lemoine. Et moi Stéphane Labrousse. Nous sommes en 5e année dans la filière communication à e-artsup. Et notre projet s'appelle Psit. Psit, c'est un outil qui s'inscrit dans le thème du décrochage scolaire. C'est un outil qui est composé de 2 supports. Alors, un album pour les enfants qui mêle contes et exercices. Qui va permettre à l'enfant de travailler tout en s'amusant. Et une application dédiée aux adultes, aux parents, pour avoir un suivi détaillé des notions apprises par leurs enfants. Parce qu'en réalité, les parents ne savent pas vraiment ce que l'enfant apprend à l'école, ou plus ou moins. Cette application permet aussi la mise en contact du parent vers des professionnels de l'éducation afin de recevoir des conseils pour mieux gérer le suivi et pour mieux accompagner son enfant dans son périple scolaire. Les choses qu'on a retenues, on va dire, c'est surtout apprendre à travailler en fait, à se structurer, avoir une vraie méthode pour être efficace au travail aujourd'hui. On a réussi à consolider notre esprit créatif et notre esprit critique. Je pense que ça m'a beaucoup appris dans le travail en équipe surtout, et ça m'a permis de pouvoir construire des relations et de consolider la vision que j'avais de l'esthétique, de la création, quoi. Moi, à l'avenir, j'aimerais bien me spécialiser soit dans l'UX, soit dans l'éco-branding. Je bosse déjà dans une boîte qui prône l'éco-branding, donc on va dire les marques propres, sans de fioritures. Et pour moi, c'est ce sur quoi j'ai envie d'aller. Moi, j'aimerais bien tester plusieurs choses, être peut-être dans une agence de com pour justement tester plusieurs outils de création. Mais j'aimerais bien surtout créer ma start-up sûrement plus tard.